Est-ce que si je fais ça et que j'arrive? Non, quand même pas. Et bonsoir à tous. Normalement, c'est bon. On devrait être à peu près en direct. Il y a quasiment tout qui est prêt, mais comme d'habitude, ça va se faire un petit peu au dernier moment. Je vous laisse éventuellement dire si tout se passe bien, point de vue son, point de vue image. Normalement, ça devrait être un poil mieux que la semaine dernière. J'ai fait quelques petites modifications. J'espère que ça va payer. Au pire, si vous m'entendez que vous voyez à peu près, ça devrait suffire. Donc bonsoir à tous, je vais essayer comme la semaine dernière de ne pas trop regarder sur l'écran, mais quand même. Grosse nouveauté aussi cette semaine, c'est que vous voyez, il y a quelques modérateurs qui sont là, et donc s'il y a 2-3 rigolos qui viennent, eh ben, ils seront vite censurés, et ça serait pas forcément plus mal. Bonsoir à tous, donc ce soir, va y avoir deux recettes. Vous avez eu dans la description, voire éventuellement sur Instagram, quelques petites indications. Ça va être assez facile, on pourra faire cette recette et la refaire, enfin vous pouvez la faire le matin pour le soir, la veille pour le lendemain, ça se réchauffe super bien, ça se conserve plutôt pas mal. Donc le chili, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà montré en story peut-être il y a 2-3 semaines, rien d'extraordinaire, mais c'est peut-être le moment de vider ces boîtes, c'est peut-être le dernier gros plat avant que l'été arrive, quoique ça se mange aussi en été, au pire il n'y a pas trop de soucis. Qu'on va pouvoir faire quasiment qu'avec des boîtes, quelques petits produits frais, et ça sera très bien. Bonsoir à tous. Toujours la même chemise. Non, c'est une autre chemise. Vous pourrez regarder l'ancienne vidéo pour pouvoir comparer, et vous verrez bien que c'est pas la même. Donc, dans un premier temps, on va lancer le chili, mais le temps que les gens arrivent, tout ça. Et après, on fera le flan, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour le flan, d'après les quelques retours que j'ai pu avoir. Donc, en attendant que les gens arrivent, avant de commencer la recette, je vais quand même vous montrer. Pour spoiler, pour vous montrer le produit fini, voir si ça peut vous intéresser. Parce que un chili, on sait à quoi ça va ressembler. Un flan libanais ou moualabia, je ne saurais pas comment le prononcer. Ce n'est pas forcément plus évident. Et donc ce matin, j'en ai fait deux. Donc là, ici, vous voyez. Donc il y en a un avec un petit sirop, genre caramel, et un autre un peu plus nature. Et donc pour avoir une idée de la consistance, bah, c'est un petit peu comme un flan. Là, il se déplace. Parce que en gros, il s'est un petit peu rétracté en refroidissant, mais c'est plutôt pas mal. C'est à l'arôme que vous voulez, c'est bien. Je vais pas le goûter maintenant pour garder quand même un petit peu de surprise, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Ça a vraiment la consistance d'un flan, le tout sans œufs, sans lactose, potentiellement sans lactose en tout cas, sans gluten et sans matière grasse, quasiment. Donc c'était dur de faire un flan avec plus de 100, SANS, mais on devrait quand même y arriver. Est-ce que ça va? Oui, ça vient juste de commencer. Parfait. C'est bon. Bah, je pense qu'on va pouvoir plus ou moins commencer. Donc normalement, vous avez sous les yeux plus ou moins les ingrédients que j'avais mis sur la liste pour ceux qui veulent le faire en même temps. Non, à vrai dire, je fais aussi la recette pour ceux qui veulent le faire en même temps. Donc ce que j'avais dit, c'est des haricots rouges, du maïs, tomates, éventuellement quelques oignons, je ne sais plus si je l'avais mis, quelques petites épices qui sont déjà là, éventuellement du chorizo. Moi, ce que je vais mettre, c'est des merguez fraîchement décongelées. Voilà. La partie viande, vous pouvez l'enlever, vous mettez un peu plus d'épices, voire des protéines de soja. Enfin, mais je pense que les personnes qui font sans viande ça, savent par quoi remplacer tout ça. Ce sera quasiment très bon. Le principal, c'est un petit peu la sauce avec les épices. Moi, je triche un petit peu en mettant du chorizo et des merguez pour qu'il y ait le goût en plus, mais ça, on pourrait vraiment le mettre de côté. Et vu que j'ai un peu la flemme pour cette fin de semaine, je vais. De mon côté, tout doublé. Voilà, comme ça, il y en a une bonne quantité. Il y a la marmite derrière qui est suffisamment grande pour en avoir pas mal. Et ça va aller très bien. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je lis à peu près plus ou moins en même temps, mais apparemment, tout ça va. Il y en a qui m'écoutent en x2. Je suis si lent que ça. Donc, ici. On va commencer, même si les flancs, il y aura besoin un petit peu de temps pour que ça refroidisse. Ça vient de commencer les flancs aussi un petit peu en avance, mais c'est bien quand le chili mijote. Donc on va le lancer aussi rapidement. Et pendant que je coupe les oignons, il y en a, j'avais mis aussi éventuellement mettre du poireau ou des carottes. Bah, vous pouvez aussi en même temps les découper. Moi, il y aura très peu de découpe. Ah oui, aussi, j'avais dit du poivron. Voilà, pour faire bien. Pour ajouter la couleur du poivron vert, ça aurait été pas mal, mais là, c'est pas forcément le cas. Hop. Et il y a aussi, comme la semaine dernière, que j'ai oublié de dire, parce que je me suis dit,
vous le saviez, hein, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, il y a aussi la page Instagram et petit changement, ce qui serait bien pour que je puisse éventuellement reposter, si vous voulez que je reposte vos stories, il faudrait partager avec le hashtag Fred et le arrobase, le at Fred. D'accord ? Il faudrait bien mettre les deux pour avoir, pour que je puisse repartager. Donc le hashtag, c'est pour que ça apparaisse ici sur l'écran à droite que je suis en train de regarder. Et le arrobase, enfin le at, c'est pour que je puisse éventuellement les repartager. Donc si vous pouvez les partager avec les deux, voilà, comme ça, c'est sympa. Je le partagerai évidemment après coup. Voilà. Donc globalement, on est à peu près lancé. Je vais pouvoir essayer de me poser tranquillement. Essayer de ne pas aller trop vite non plus. C'est pas trop long à faire. Après, ça mijote. J'aurai le temps aussi de répondre à des questions éventuellement. Hop. Ça va sentir l'oignon. Oui, surtout que là, à chaque fois, j'aime bien en mettre pas mal. Donc là, je me suis limité à 4. Ils sont petits. Et sinon, franchement, les oignons, c'est bon, c'est pas cher. Ça rajoute des légumes, ça rajoute des fibres. Au pire, une fois que c'est cuit, ça n'a pas tant de goût que ça quand c'est mélangé à tout le reste. Donc, on peut facilement le cacher. Non, franchement, c'est bien. Toute l'année, il y en a. Il y a un petit décalage entre les posts et la diffusion dans le live. Il y a moyen, oui, qu'il y ait un décalage, mais ça, je ne pourrais pas faire trop grand-chose. Et il y a tout plein de modérateurs qui sont là. Je vais juste regarder pour les posts. Je sais, ça, c'est pas forcément les... Ça, c'est les récents. C'est, non, c'est la dernière fois, mais il y a des stories. Comme ça, on regarde en même temps. Voilà. Donc, vous voyez, typiquement, avec le at Fred et le hashtag Fred. Donc, comme ça, il y a tout. Hop. Et je continue avec mes oignons. Oui, ça va très bien, merci, et vous? Enfin, et toi, et vous, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs qui ont plus ou moins posé la question. Chorizo et merguez, oui, c'est en option. Sachant que, forcément, vu qu'il y a du goût dedans, ça va être plus simple pour avoir quelque chose de directement avec les traceurs du chili, avec c'est un petit peu le côté épicé qui peut être pas mal. Voilà. Donc là, je viens de faire quasiment la partie la plus compliquée, c'était d'éplucher les oignons. Et ce qu'on va faire, c'est que la première chose à faire, si vous mettez de la viande, notamment des merguez, on va les mettre en premier. D'accord ? On va balancer les merguez dans la marmite pour que ça commence à dégager un petit peu de gras, que ça commence à cuire et tout ça. Je vais essayer de pas me couper les doigts et de répondre en même temps. Le live durera une heure, je dirais à peu près. Il y a moyen que ça dure une heure. Merci. Oui, on pourrait mettre de l'ail, complètement. Merci, merci. C'est une recette en référence d'un pays. En référence d'un pays, plus ou moins. J'imagine que ça doit être d'Amérique du Sud. Mais après, ça a été revisité tellement de fois. Et historiquement, cette recette, c'est une recette que ma mère faisait. Et elle était connue pour son chili. Donc, comme je disais dans les commentaires, juste avant, que ma mère, elle n'aimait pas forcément cuisiner, mais elle avait quelques plats qui sont simples, efficaces et bons. C'était vraiment le leitmotiv un petit peu de la famille, c'est d'avoir ce genre de plats qui permettent de faire des gros volumes. C'est pas deux fois plus long d'en faire deux fois plus, et ça, c'est un gros avantage. C'est pas histoire de passer deux heures en cuisine, d'arriver le soir, que tout soit parti en cinq minutes. Et relativement quand même assez simple avec des produits qu'on peut trouver un peu partout. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec cette vue-là. Normalement, ça devrait marcher, j'espère. On va se regarder ce qui se passe par là. C'est un petit peu bas. Donc, ce que je vais faire, comme ça, vous voyez en même temps, hop, sur le saladier. Et là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. En même temps, je fais genre, c'est complètement en live, mais j'avais pensé 5 minutes avant le direct de mettre le saladier pour surélever le trépied. Mais bon. Pourquoi ça s'est éteint? On va faire chauffer la marmite. Qu'est-ce que ça me dit? Bonne question. Peut-on remplacer les haricots rouges? Ah, merci Coralie, que je puisse voir comme ça. Je n'avais pas pu voir toutes les questions. Je pense que les haricots rouges, c'est un petit peu la base de cette cuisine, éventuellement, je dirais, d'Amérique du Sud. Mais je pense qu'on pourrait mettre des lentilles, typiquement. Les pois chiches, je suis pas sûr, mais les lentilles, ça me choquerait pas, voire ça pourrait être pas mal du tout. Voilà, on m'a pas demandé trois, je vais en donner un. Hop, échalote, c'est bon aussi, bien sûr. Échalote, oignon, pour moi, c'est pareil. Voilà, j'ai plus souvent des oignons, mais si dans une recette, on me dit de mettre des échalotes et que j'en ai pas, je mets des oignons. Hein.
La qualité est incroyable. Ok, parfait, merci. Super. C'était un tout petit réglage de la caméra qu'il fallait que je fasse, que j'aurais pu faire la semaine dernière, mais je n'étais pas encore tout à fait au point. Et donc là, la marmite qui commence à chauffer. Donc là, elle chauffe, je ne vais pas mettre de matière grasse. Si vous faites la version végétale, vous pouvez mettre de la matière grasse, mais là, vu que je fais avec des merguez, c'est suffisamment gras pour que je n'ai pas à m'embêter à mettre un peu plus de gras. On va laisser ça. On revient ici. Qu'est-ce que ça me dit? T'es bien équipé? Ouais, c'est des choses qu'on me dit régulièrement. Coucou tout le monde, coucou, ça a pété, ok. Tu reprends dans 10 jours. Normalement, enfin, je reprends présentiellement. Je pense que tu me parles des cours, contamination croisée, tout ça. Il n'y avait pas de salmonelle, mais il y a un petit peu de contamination croisée. Si tu me parles des cours, vu que je suis en lycée dans une zone qui sera potentiellement rouge, il y a moyen que je reprenne pas. En tout cas, pas forcément dans 10 jours. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trop d'informations, mais on va savoir normalement à la fin du mois quand est-ce qu'on va reprendre. Hop, ça taille en direct. Pourquoi pas? Franchement, ça pourrait le faire. Mais vu qu'il y a besoin quand même d'un temps de repos, je ne sais pas si ce sera facile ou alors je ferai comme à la télé, du genre, ah bah tiens, j'ai préparé ça avant, je le sors du frigo et je peux faire étape par étape. Mais à suivre en live, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais une fois que c'est fait, on laisse reposer, ça peut le faire. Que semaine passée. Attends, c'est agréable que tu puisses plus répondre aux questions que la semaine passée. Ah oui, je vais essayer de faire ça. Surtout que là, à part ouvrir des boîtes, je suis pas trop occupé, ça devrait aller. On a combien de temps avant le dessert? À vue de nez, je dirais bien 20 minutes. Vous pouvez aller faire autre chose et revenir éventuellement dans 20 minutes. Je pense que à gros vue de nez. D'haricots secs, ouais, sauf les haricots secs, il faudra les faire tremper avant, les faire cuire avant ou alors faire cuire tout, le tout bien plus longtemps. Voilà. Donc là, pendant que les merguez font leur petite affaire, je suis en train, bah, comme vous voyez, de couper les oignons. Coucou de la Réunion, bah, coucou de Lyon. J'espère qu'à la Réunion, tout se passe bien. Prof de physique, mais oui, Lyon. Ça ressemble à beaucoup à un plat du Nord-Africain. Il y a largement moyen. Merci de tes réponses. Ok, profitez, parfait. 336 personnes. Ok, parfait. Il y a moins de monde. Il y a l'effet d'annonce qui est passé. Peut-être, voilà. Donc, on est plus en petit comité, c'est cool. Je vais pouvoir peut-être plus voir les questions. Même si tu passes le CAPES, il faudrait que je passe des concours pour être prof titulaire. Il faudrait. Mais entre flemme et procrastination, je ne l'ai pas encore fait. Qui vraiment, merci. Évidemment, Calédonie, bah là, ça va être compliqué cet été, parce que pour sortir de métropole et arriver en Calédonie, je pense que ça va être assez difficile, vu l'état actuel des transports et des lois. Les doigts, oh oui, au pire, j'en ai 10, si l'on perd un ou deux. Hop, hop, regarde tes doigts, oh. Ça ira. Beaucoup de gens ont peur pour mes doigts. Hein. Si vous savez comment je cuisine sans trop regarder. Quel lycée? Je vous laisse trouver. Lyon, zone verte. On est dans une zone verte? Ah, je pensais. Ah, bon, ok, tant mieux. Les oignons, je les mets là. Gardez vos. Posez pas trop de questions que j'ai le temps. Attendez. Qu'on voit quand même les oignons tomber. Hein? À y être. Pendant que les oignons. Oups, mince, j'ai l'impression que le micro sature. Pardon. Pendant que les oignons cuisent, avec tout ça, on va s'intéresser aux épices. Donc, le pilon. Si vous avez des épices déjà en poudre, très bien. Sinon, moi, je vais le faire au pilon. Donc, attendez. Hein. Oignon, lamelle, morceau, brunoise, julienne, comme vous voulez. Coucou de la Guadeloupe, coucou d'ici. Il y aura plus de viande que prévu si ça continue. Bah, la viande, c'était en option. Mais oui, pour l'instant, après, vu les doses que j'ai prévues pour les haricots et tout ça devrait à peu près s'équilibrer. On peut être prof remplaçant sans diplôme. Je ne crois pas, il faut quand même un diplôme, mais pas un diplôme de prof, pas forcément. Peur d'être appelé l'année à l'autre. Non, c'est une peur qui est largement surmontable. En fait, évident famille, cool, super content, et ça donne fin génial. 7e arrondissement, non plus. Un live en NC un jour. Si la connexion tient, pourquoi pas?
Zoom sur la 4, parfait. Lycée Ampère, Lyon, bon, voilà, c'est trouvé. Dites un prof que, ok, je n'arriverai pas forcément à tout lire, mais je veux quand même vous expliquer un petit peu les épices qu'il y a. J'en ai mis beaucoup, mais il y a de la coriandre, ou du coriandre, je ne sais pas si on dit, si, bref, coriandre en boule. Je vais mettre un petit peu de quelques graines de sésame. C'est pas obligé, mais voilà, c'est les traceurs que coriandre j'ai déjà mis. Je vais mettre un peu de fenugrec, mais là c'est pas forcément nécessaire. Le mieux ce serait mettre du cumin, mais je crois que j'en ai plus. Donc le cumin ça serait pas mal. Paprika aussi, mais ça c'est déjà pilé. Donc paprika et un petit peu de piment. Sachant que là c'est du piment qui a poussé sur mon balcon à Grenoble. Donc autant dire qu'on l'utilise, mais pas complètement. Donc pendant que je pile tout ça, je vais pouvoir peut-être répondre. S'il y en a qui posent des questions sur quels sont les ingrédients et qu'il y en a qui ont suivi, je vous laisse les réécrire. Comme ça, je n'aurai pas forcément à reprendre là-dessus. Voilà. J'en étais où? Je ne sais plus trop. Ok, est-ce qu'on peut mettre des carottes avec les oignons? Oui, bien sûr. Si, pardon, si vous avez des carottes, du poireau, des choses comme ça, il faut les mettre maintenant, surtout les carottes. Ça met plus de temps. Donc il faut les mettre quasiment au début, en même temps que les oignons, voire en même temps que les merguez. Hop. J'adore voir les oignons tomber. Okay. Chili merguez, oui, voilà. Moi, j'ai souvent fait ça. 40 000 de Lyon. Dans la même zone, ici, on est en vert. Ok, bah, je ne sais pas exactement si on est vert ou pas. Est-ce qu'on met de quelles épices pour corser le plat? Je dirais du piment. C'est ce qu'il y aura de mieux, quel que soit le piment. Sinon, de manière générale, pour pimenter, je mettrais du piment, mais je ne saurais pas trop. Quoi d'autre? Du poivre, mais autant mettre du piment. Quel diplôme? Il y a une vidéo pour ça, mais j'ai un diplôme d'ingénieur. Est-il possible de mettre des carottes avec les oignons? Oui, ça, pardon, j'ai répondu. À quand les expérimentations? On trouvait l'omelette parfaite. Ouh, je suis pas encore. C'est du chorizo, oui, extra fort même. Voilà, donc si vous mettez pas trop d'épices, mais vous mettez du chorizo extra fort, ça peut suffire. Non, je suis un bonhomme pour les oignons, ça va. Joyeux anniversaire. Ou, enfin, bon, anniversaire oblige, je ne sais pas si c'est le tien, mais sinon, joyeux anniversaire à la personne qui était là. Tu as toujours la liqueur de flammation, toujours. Mais qui est donné tous les ans. J'essaie d'y aller une fois par an. Oh, puis, c'est le fenugrec, ça fait puer des aisselles. Je découvre. La SVT, c'est meilleur que la physique. Bah, suivant l'échelle, il faut de la physique pour faire de la SVT. Tu payes combien pour le boulot de scribe? Ma gratification éternelle pour quelques jours. Hop, rediffusion du live, oui, comme l'autre. Allume la haute. Bonne idée, mais je vais ouvrir la fenêtre peut-être. Mais si j'allume la haute, ça fera du bruit. Tant pis. Je vais pas tout répondre. Pourquoi pas de la cannelle? Pourquoi pas? Perso, moi je trouve cannelle, avec le chili, je n'ai jamais trop aimé l'association dans le. Comment ça s'appelle? Dans un couscous, ça me dérange pas. Dans un chili, un peu plus, mais après, ça dépend des goûts. Paprika, pâte de curry rouge, oui. Paprika, c'est sûr, quasiment sûr qu'on peut en mettre. Pâte de curry rouge, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il ne faut pas mettre pas trop d'épices? Je ne sais pas. Donc là, ça cuit bien depuis un certain temps. Je mets les épices à ce moment-là. Ça commence à sentir plutôt bon. Et là, il va falloir se dépêcher quand même pour mettre tout le reste parce que je parle, mais je vais pas très très vite. Hop, Rhône-Alpes est en vert. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce qu'on peut remplacer les poivrons par autre chose? On pourrait ne pas en mettre et mettre d'autres petits légumes qui iraient bien avec. Je ne saurais pas exactement dire lesquels. Après, voilà. Rien. Il y a plein de fois où j'ai fait sans mettre de poivron. Hop, bah, joyeux anniversaire à Milo. Est-ce qu'il a mis une intro animée dans les vidéos? Non. J'ai vu que tu avais mis des intros animées dans mes vidéos. Je ne l'avais pas fait, ça, je crois pas. Ah, je regarde quoi en ce moment comme série? Je continue ça. Non. Posez pas trop de questions parce que là, il va falloir que je fasse autre chose pour les boîtes. Que ce soit de haricots ou de maïs qu'il va falloir mettre juste après le chorizo. Donc là, non, si je vais répondre aux questions pendant que je fais le chorizo. Donc là, je vais mettre un demi-chorizo fort. S'il y en a qui me disent que la peau, faut absolument pas la manger parce que si, parce que ça, tant pis. Voilà. Les séries en ce moment, il y en a une que j'ai découverte il y a 2-3 jours, qui n'est pas forcément pour tout le monde, ça peut pas forcément plaire, mais c'est plutôt pas mal. C'est
en gros l'histoire d'une orpheline dans le nord, vers le Canada, dans une île du Canada, ça s'appelle Anne with an E, sur Netflix, et ça, c'était pas mal du tout, c'était ma découverte de la semaine. Voilà, c'est pas forcément pour tout le public, je pense qu'il y en a plein qui seraient pas forcément intéressés, mais c'est pas mal du tout. Peut-on remplacer les poivrons par autre chose? J'ai dit. Plat préféré? J'en ai pas. J'ai aucun plat préféré. C'est, voilà, il n'y a pas de truc où je me dis il faut absolument que je mange ça. Non, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas un seul que je peux manger. Hop, ça, je vais mettre avec le reste. Bon, je pourrais en mettre un peu plus, mais on va dire que je garde. Hop. Évidemment, il est tombé. Ça commence à sentir super bon, en tout cas. Ce que je vais faire pour l'instant, quand je suis un peu occupé, il y a mes modérateurs, enfin au moins une qui est au courant, qui va réécrire les questions un peu les plus importantes pour que je puisse les voir en surbrillance. Donc, si elle vous reprend en question, j'y répondrai peut-être en regardant vite fait du coin d'œil, mais sinon là, je peux pas, j'ai pas le temps de tout lire. Pour les boîtes, ce que je vous conseille de faire, surtout quand c'est des boîtes avec ouverture facile, ce que je vous conseille de faire, c'est de les retourner, de, avec l'ouvre-boîte, ouvrir comme ça un petit peu, et on va pouvoir égoutter les haricots directement dans la boîte, sans sortir d'écumoir, d'égouttoir ou autre. Donc là, vous voyez, j'en ai fait couler partout parce que je voulais vous montrer, mais vous voyez qu'il y a quelques petits trous un peu de partout. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'évier. Une fois qu'on est là, c'est mieux. On retourne la boîte et on ouvre par en haut. Et là, on peut se servir de la boîte comme égouttoir, comme passoire pour les haricots rouges. Voilà. Et on peut faire pareil, évidemment, avec le maïs ou autre conserve du même genre. Et on nettoie en même temps. Doit-on laver les haricots rouges en boîte? Très bonne question, que normalement, je viens de vous donner la réponse. Ouais, mais c'est toujours un jus, il doit être comestible, clairement. Mais je sais pas, c'est pas forcément super de l'avoir. Donc là, c'est quasiment le moment de mettre les haricots rouges. On va faire pareil pour les autres. Rechta, je connais pas du tout. Hop. Pareil ici, je vais ouvrir aussi le maïs. De la même façon, cette boîte est un peu plus compliquée. Je sais pas pourquoi le fond est un peu bizarre. Donc ça, c'est l'astuce de, pas de crevard, mais du genre, est-ce que c'est vraiment nécessaire de salir une passoire pour ça, alors qu'il y a déjà le contenant? À moins que vous réutilisiez les boîtes de conserve, c'est possible. Mais voilà, faites pas ça avec les boîtes de sauce tomate. Je dis ça, je dis rien. Le plat que je préfère cuisiner. Le plat qui fait plaisir à ceux pour qui je le prépare. C'est bon, je peux la Miss France? Non, honnêtement, je sais pas, mais ce genre de plat, typiquement, j'aime bien le faire parce que, surtout que quand on est à l'appart, quand on veut pas s'embêter, quand on reçoit personne, bah, c'est cool d'avoir un plat simple où on se prend pas non plus trop la tête et il peut y en avoir suffisamment. Donc là, je remercie ma mère, devant tout le monde, comme ça, d'avoir fait ce genre de plat qui sont à la fois pratiques et sympas. Hop. Peut-on ajouter du gingembre? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le gingembre, de manière générale, ça c'est pas mal. Hop, je rince ça. Le maïs, j'ai fait un peu moins de trous. Voilà, pas besoin de rincer 2 heures, hein, dès qu'on voit que l'eau qui sort est à peu près claire. Ça ira. Hop. C'est bon. Donc, on va pouvoir ajouter. Hop, ça coule. Je vais mettre par là. On va pouvoir ajouter un peu tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un ordre pour les ajouter? Peut-être. Est-ce que je vais mettre dans un ordre particulier? Non. On va faire comme ça. Bon, l'image est peut-être un petit peu trop jaune-orangé. On va rajouter du rouge, rouge-marron. Hop.
Donc là, c'est pas un petit plat, vous voyez, cette marmite, elle fait 28 cm de diamètre. Donc là, il y en a pour, je pense, facile 6, 7, voire 8 portions, sachant que j'ai pas encore tout mis. Et donc là, on va pouvoir ajouter la sauce tomate, ou des tomates entières, vous mettez en morceaux, n'importe quoi. Et après, comme ça, je pourrais découper les poivrons. Es-tu plus salé ou sucré? Sucré quand même. Des plats à faire sucrés, on a plus, je trouve qu'on a plus facilement le côté plaisir, facilement, avec un plat sucré. Mais quoique, des plats salés. Non, honnêtement, si c'est plus sucré, c'est pas 90-10, hein, c'est plus 55-45. Et voilà. Hop. Et je vais mettre la sauce tomate, et bien sûr, je vais vous mettre le plan où la sauce tomate tombe, hein, sinon c'est pas drôle. Et après, je regarderai sur Instagram s'il y en a qui partagent des choses. Parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allé voir. Et là, évidemment, on baisse le feu à ce moment. Donc, je vais voir sur Instagram bientôt. En même temps, je coupe le poivron. Et comme ça, on sera plutôt bien. Hop. Où est-ce qu'on est? On est là. Sauce tomate de Chine, j'ai pas regardé, mais j'ai pas regardé que ça l'était pas. Donc dans le doute, comme le chat de Schrödinger, tant que j'ai pas regardé, c'est à la fois de Chine et pas de Chine. Quelle est la différence entre haricots rouges en boîte et sec? Je pense qu'en sec, ça doit être mieux. Mais ça me demande plus de temps. Est-ce que ma réponse sera tellement plus détaillée que ça? Je ne suis pas sûr. Quelle est la différence? Voilà, non, ça c'est bon. Est-ce que tu es toujours en contact avec les professeurs avec qui tu as travaillé? Cette année? Plus ou moins, oui. Les années d'avant, une surtout, d'autres pas trop. Voilà, c'est après, voilà, vu que je fais des remplacements pas dans beaucoup, mais dans peut-être plus d'établissements qu'un prof en contrat, je ne garde pas contact avec tout le monde. Une fois que je suis parti, c'est pas toujours le plus simple. Quelle école d'ingé, toi, je te réponds pas. Ah non, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a écrit pour toi. Ah, dans ce cas, je suis désolé. Mais je vous laisse trouver, il y a l'information quelque part. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sushi facile? J'en avais pas fait déjà. Attendez, on va voir sur Instagram s'il y a des petites choses. Hop, sur Instagram, il y a des stories, il y a des posts. Ah, il y en a qui sont prêts pour le flan. Il y en a qui sont prêts pour le flan, ça va arriver. Allez là, il y en a qui partagent ici la préparation. Au taquet. Jusque-là, c'est bien. Que je revoie l'endroit où il y a les questions. Ouais, vidéo sushi facile. J'en avais pas déjà fait une fois. Parce que celle que j'avais faite sur un moment, je crois que j'avais fait des sushis. Ceux qu'on peut acheter, combien ça coûte quand on les achète par rapport à ce qu'on les fait. Rien d'exceptionnel, mais bah, c'est moins cher de les faire soi-même. Et on en a beaucoup plus. Je crois qu'ils étaient assez simples, mais après, j'estime pas être suffisamment bon en sushi pour pouvoir faire une vidéo comme ça, mais après, j'en ai déjà sorti plus ou moins une. Ouais, c'est ça, pour les boîtes en sauce tomate, c'est ce que je fais. Bon, là, je l'ai pas fait, mais sinon, ouais, c'est bien que surtout quand il y a besoin d'un petit peu d'eau, c'est pas mal de rincer avec, comme ça, on rajoute de l'eau. Nouveau post sur Insta, je vais regarder ça de suite, une fois que je me suis coupé un doigt. Qui devra arriver incessamment sous peu. Donc là, pareil, le poivron, c'est en petits morceaux. Pas trop petit, pas trop gros. Hein, ça ira. Toute façon, ce qui est bien, c'est que quand on cuisine comme ça et qu'on découpe à la main, on fait justement ce genre d'erreur qui est appréciable. C'est même pas une erreur, c'est si on avait que des morceaux de la même taille, chaque bouchée du chili aurait le même goût. Déjà, vu que c'est quelque chose qui va mijoter, ça aura quand même quelque chose qui sera plus ou moins assez mélangé, avec des goûts plutôt globaux. Là, au moins, en ayant des morceaux de différentes tailles, on peut se permettre d'avoir des bouchées qui sont plus ou moins différentes. Donc ici, on va mettre ça. On reste sur les tons rouges. Hein.
Hop, et ben je crois qu'on a quasiment tout. Il n'y a peut-être pas assez de jus pour l'instant, mais tout devrait rendre un petit peu du jus. Donc je vais mettre à feu moyen. On va couvrir et on re-regardera ça à la fin. Quand je dis à la fin, c'est entre-temps. Mais là, pour le chili, c'est quasiment fini. Donc là, on couvre et on regardera éventuellement de temps en temps. Hop, ici. Professeur, de quelle option physique? Dédicace, s'il te plaît. M'a dit Perk. C'est comme ça qu'on fait les dédicaces? Fais-tu du compost? Non, j'aimerais bien le faire, mon appartement, c'est assez compliqué. Surtout quand on part en été, c'est pas évident. Est-ce qu'il faut enlever les parties blanches? Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai pas senti de différence, mais après, peut-être. Sel et poivre. Ouais, je mettrai à la fin, une fois que ça aura un peu mijoté, comme ça je pourrais goûter. Recette de gyoza à venir. J'avais déjà fait des faux gyoza au gaufrier. Après, est-ce que ça répond vraiment à ça? Pas sûr. Ah, paprika. Avant que je réponde à d'autres questions. Hop. Ça, c'est bon. Normalement, ça n'en a plus besoin. Et on va bientôt pouvoir passer au flan. Est-ce que j'étais bon point de vue timing? J'avais dit dans 20 minutes et je pense qu'on ne doit pas en être trop loin. À vue de nez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sûrement. C'est les poivres dans la préparation, je pense en mettre, pas forcément tout de suite. Après le poivre, quand il y a suffisamment d'épices autour, le poivre, j'en mets pas tout le temps. Mais il faudrait peut-être. Une recette de mochi un jour. J'en ai déjà fait, je crois, des recettes de mochi, même plusieurs, je crois, sur cette chaîne. Des mochi qu'on peut faire bouillir, des mochi qu'on fait juste à la casserole. Je crois que c'était une vidéo de défi de décembre il y a 2 ans. Entre autres, il y en avait une au moins. Alors peut-être qu'on dit mochi, mais bon, vous avez compris. Hop. Ce qui... On va regarder juste sur Instagram, comme ça le temps que je trouve mes trucs. On m'a dit qu'il y avait des nouveaux posts sur Instagram. Oui. Allez là, là aussi on fait un gros chili. Parfait. Et je crois que je connais cette personne à une personne d'écart. Peut-être une... Non, pas la sœur d'eux peut-être. Je sais pas, bref. Hop, story non. On va laisser plus ou moins comme ça. Est-ce que tu regardes bien? J'ai regardé, il me reste une ou deux saisons, ça fait des années que j'ai un peu arrêté. Est-ce que tu suis les recettes de Cyril Lignac? Non. Non, à vrai dire, je regarde pas trop. Parce que je me dis, c'est terrible, hein, je fais à peu près la même chose, mais je me dis que ces recettes, je ne les referai pas forcément, surtout pas en live. De temps en temps, je passe, j'aurai 5 minutes et je passe à autre chose. Voilà, c'est à peu près tout. Peux-tu récapituler? Oui, le chili qui est en train de cuire. Il y avait tout plein de boîtes que vous avez vues en début, notamment pas mal de haricots, maïs, tomates avec des viandes, peut-être pas suivant les personnes. En tout cas, moi j'ai mis merguez, chorizo, avec quelques épices, coriandre, piment, sésame, fenugrec, paprika. Si vous avez du cumin, très bien, vous pouvez mettre d'autres choses comme du gingembre ou autre. Sauce tomate, j'ai dit, des oignons, que j'ai mis au début, et à peu près tout. Vous pouvez rajouter des carottes. Enfin, si vous rajoutez des carottes, ça serait bien de les mettre un peu avant. Parce que là, ça fait un peu tard pour vraiment que vous aimez vraiment les légumes croquants. Poireaux, ce que vous avez dans le frigo. Mais voilà. Pour le flan, que je vais mettre là quand même pour avoir un petit visuel. Ce flan libanais, qui est ultra simple et qui a besoin que de, on va dire, 3-4 ingrédients. Sachant que ce sera peut-être un petit peu plus, mais en gros, 3-4, c'est... un peu tout ce qu'il y a. Je réponds à d'autres questions. Voilà, on reprend, on se pose calmement. Et je passe à tout ça. Hop, où est-ce qu'on en est? J'utilise OBS. OBS pour faire les transitions, en ayant préparé 2-3 petits trucs. Et voilà, globalement assez simple. T'en fais pour un régiment? Ouais, là je me dis que je pourrais en congeler une partie. On va regarder ce que ça donne, là, avant de passer au flan. Bon, on n'a pas encore trop de jus, mais ça devrait arriver. Avec du poivron vert, ça aurait pu être sympa pour apporter un petit peu de couleur différente. Allez, je vais mettre un petit peu de sel, j'en ai pas mis pour l'instant. En tout cas, ça sent bon. Ça sera bon. L'acidité de la tomate sera équilibrée un petit peu par le sucré du maïs. Ça peut être pas mal. Voilà, moi je dis c'est un plat plutôt sympa. Il y en a qui le servent avec du riz, si vraiment vous voulez un plat bien complet. On peut acheter la concombre en fonte et ton fouet magique. Ah, très bien, très bien. Le fouet,
Je crois que je l'ai mis en commentaire du dernier live. Je pourrais le repasser si quelqu'un a le temps d'aller chercher. Dans les commentaires du dernier live, j'ai répondu à quelqu'un qui me parlait du fouet et j'avais donné le lien. Donc le lien est quelque part, je sais plus, c'est Jardy quelque chose où il était. La cocotte, c'est du Lecreuset. C'est un investissement, mais normalement, ça tient à vie. Voilà. Par exemple, la cocotte, là, à 28 cm, je crois qu'elle était quand même à 200 et quelques euros. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé et ça risque pas de bouger plus longtemps. Elle me sert à faire le pain parce que ça va au four et les grosses quantités. Ok, certains lots de lait de montagne car ils avaient du plastique dedans. C'est pas Carrefour donc a priori ça devrait aller. Enfin, c'est pas que ça devrait aller, mais s'il y a un risque, il y a moins de chances que celui-là. Le chili c'est fait, on attend le flan. Très bien. Très bien, parfait. Ok, je suis à peu près à jour. Toujours toi le chef de la cuisine. Oui, c'est pour moi qui fais plutôt la cuisine quand même. Arrêtez la carrière de professeur pour lancer dans la restauration. Pas sûr. Il y a trop de live, faut quand même que je commence. Non, je ne l'avais pas retrouvé à Linéa, apparemment il y était, mais je ne l'ai pas trouvé en ligne. Je l'avais trouvé à Jardy quelque chose. Vous aurez besoin pour ce flan, deux casseroles. Une casserole. Ça, c'est pour l'ustensile. Vous aurez besoin, même pas d'un fouet, une cuillère, ça ira. Voilà, comme ça, on fait le tour des ingrédients. Vous aurez besoin d'une boisson type lait de quelque chose. Ici, c'est du lait de vache. Vous pouvez prendre du lait de n'importe quel. Plantes, lait de soja, lait d'avoine, lait de riz, lait de coco, lait de ce que vous voulez. Enfin, lait de coco, pas forcément bois, c'est quand même beaucoup plus gras, quoique ça peut le faire. Donc, du lait. Vous aurez besoin de fécule de maïs, vous n'avez pas reconnu la marque, pas énormément, mais un petit peu quand même, du sucre et de l'arôme au choix. Ici, je vais partir sur de la fleur d'oranger. Vous pouvez partir sur de l'eau de rose, sur plus vanille, l'extrait de vanille, de l'amande amère. Caramel, fruits rouges, café, ce que vous voulez. Ici, le goût traditionnel, c'est plus fleur d'oranger, eau de rose, voire un mélange des deux. Voilà. Et on n'a besoin que de ça. Ah, pardon. Et éventuellement, quand même, là vous ne voyez plus, une petite coupelle et si vraiment vous voulez, une balance. Mais je le ferai sans balance, comme souvent. Lentilles ou demi-crémées, avec tous les laits que j'ai cités, on s'en fiche. Ici, c'est du demi-écrémé, le entier ça marche très bien, le écrémé complètement ça marche aussi. Avec de l'eau, ça marcherait. C'est peut-être moins joli, mais avec de l'eau, ça marcherait. Fécule de maïs ou de pomme de terre? Ici, de maïs, mais pomme de terre, faut tenter. Tant que ça épaissit, ça devrait le faire. Bah là, c'est de la fleur d'oranger que j'ai achetée, je crois que c'était un magasin à Lyon qui s'appelle Bahadourian, où ils ont toutes les épices du monde. Voilà. Vous cherchez quelque chose ou vous ne cherchez pas quelque chose, vous y allez, vous le trouvez. Hop, c'est bon, ok. Donc, pour faire ces deux flans, vous voyez, c'est quand même des verres un petit peu gros, il y en a à peu près 300 ml dans les deux, donc 150 ml dans chaque, à peu de choses près, peut-être un petit peu moins. Pour faire ces deux flans, j'ai utilisé. Bah, notez bien les proportions parce que je les avais utilisées, ça a marché. Donc, si vous voulez ces proportions pour deux flans, vous pouvez noter en même temps 250 ml de lait, quel qu'il soit. Ici, du lait demi-écrémé de vache. 20 g de fécule de maïs. 20 g. 35 g de sucre. Ça, 2 cuillères à soupe. Et c'est tout. Voilà. Vous avez les quantités, je les redonnerai plus. Ok. Donc moi je vais faire mon flan à l'arrache. Pas d'agar-agar, non. Et j'avais des recettes à l'agar-agar, mais je me suis dit que là, avec la fécule de maïs, ce serait pas mal. Donc là, je vais en faire un peu plus. Je vais mettre ça de lait. Voilà. Mettre ça au frigo. La fécule de maïs. Si pour les produits bio, j'essaie de prendre par exemple typiquement les pommes ou la plupart des fruits et légumes que je vais manger en entier. Par exemple, là, moi je prends la pomme, là il n'y a pas de pédoncule, non, je sais pas de truc. Je mange en entier avec les pépins et tout. Je ne vais pas m'embêter à l'éplucher, c'est surtout pour ça que je prends bio. Après le reste, j'en fais pas tout un drame si c'est pas bio. C'est surtout ça. Merci pour avoir repris les quantités. Donc, là, je vais mettre de la fécule de maïs, à peu près
Bah, je vous avais les quantités, moi je fais à peu près ça. Je me dis que ça devrait aller. Pourquoi on met la fécule de maïs ici? Bah, parce que ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un petit peu de lait avec la fécule de maïs pour détendre le tout, pour éviter les grumeaux. Voyez? Attendez, même ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, me mettre là, et peut-être qu'on verra un poil mieux. Voilà. Ouh, c'est un peu clair, mais ça devrait s'arranger peut-être un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ah voilà. Non. C'est assez sensible. Comment je peux pas faire automatiquement? Et voilà la première galère. Bon, on est en direct, hein, c'est pour ça. Voilà, on devrait aller. Et donc là, je dilue un petit peu tout ça. Et là, on a un fluide non newtonien. Vous avez dû voir comment ça s'appelle? Les petites expériences avec la maïzena. En gros, si on tape vite dedans, ça agit comme un solide. Et là, on peut le voir. Regardez, si je mets mon doigt dedans doucement, ça s'enfonce comme si c'était un liquide. Si je tape dessus, eh ben, ça agit comme un solide et on sent que ben, c'est dur un petit peu comme un solide. Voilà pour le petit moment. Science, ça ira pas plus loin. Donc là, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de lait quand même. Allez, comme ça évite d'avoir des grumeaux, parce qu'on arrive à tout mélanger, normalement. Peut-être j'en ai mis un petit peu trop, mais bon. Vous mettez les quantités que je vous ai passées, ça va. Le sucre, vous pouvez remplacer évidemment, oui, par du miel, par du sirop d'agave, par tout plein de choses. Ouais, le live, ça devrait durer à peu près 1 heure. Parfait, merci pour le fouet, Sarah. C'est ça, vous avez le lien pour le fouet. Donc, une fois qu'on a ça, j'aurais pu le faire en même temps, mais c'est pas trop grave. Je vais mettre le sucre ici, les quantités qui ont été indiquées. Moi, j'en mets peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. On va faire chauffer le sucre avec le lait. Donc là, on va passer à côté. Attendez, hop. Je crois qu'il y a un petit problème avec mon téléphone. Je vais essayer de régler ça. Donc, le lait chauffe. Et là, on a fait quasiment, pas la totalité de la recette, mais pas loin. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un problème avec ça. Est-ce qu'on ne peut pas le remettre automatiquement? Hop. Je sais pas si ça a été fait. On va faire, c'est qu'on va recommencer. Hop, et ça devrait être bon. Désolé pour ça. Donc là, le lait chauffe avec le sucre. Moi, il y a ma maïzena qui est prête là. Peut-on remplacer les végétales par de la crème végétale? Je l'ai pas fait. Peut-être. Est-ce que ce sera pas trop épais? Peut-être, peut-être pas. Moi, je dis ça se tente. Mais aucune certitude. La fleur d'oranger, on garde pour quasiment à la fin. Le lait peut-il... Oui, comme je l'ai dit, on peut mettre n'importe quel lait végétal, on pourrait même mettre de l'eau. Et ça devrait aller. Ça peut-être, il y aura moins de goût, évidemment, mais on pourrait le faire. Animal ou végétal, les deux fonctionnent. Ok, mais j'avais déjà répondu, je l'ai pas vu. D'ailleurs, la végétale, ça ne devrait pas juste s'appeler du jus. Oui, voilà, oui, mais bon, dans l'inconscient comme il existe, c'est comme la levure chimique ne devrait pas s'appeler la levure. Mais bon, les boissons végétales, ou boissons à partir de... Bon, vous avez le principe. Donc, ici... Je ne vais pas pouvoir aller voir les commentaires. Vous voyez du lait qui chauffe avec le sucre au fond. Et on va remuer. Et ajouter notre mélange avec la maïzena. Et là, on va mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà. Le flan est quasiment prêt. Donc, les proportions qui ont été marquées dans le chat, c'est des proportions pour 2 flans, je dirais. Là, j'en fais peut-être à l'œil pour 3. Vous faites le produit en croix et vous y arriverez. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que je peux remuer? Ah, je peux même remuer et répondre aux commentaires. Hop, non mais c'est bon. Parfait. Donc je vais quand même récapituler à y être. Pour ici, pour ce flan, après même sur le live, vous pouvez revenir en arrière, vous ne serez pas en direct, mais vous pouvez avoir le replay instantané. Donc ici, il y a de mémoire pour 2 flans, 250 ml de lait végétal qu'on fait chauffer avec 30 g de sucre à peu près. À côté de ça, on a pris une partie du lait qui nous a permis, pardon, de délayer 20 g de maïzena. Et on fait chauffer le tout, on remue jusqu'à obtenir la consistance d'un flan. Là, l'arôme de fleur d'oranger, on le garde pour la fin. Et c'est à peu près tout. Rhum à la place de la fleur d'oranger. Je pense qu'on pourrait mettre du rhum. Après, il sera peut-être...
Je pense que le rhum serait bien de le mettre en cours de chauffage pour pas qu'il y ait tout l'alcool qui y reste. Après, si vous voulez tout l'alcool, vous mettez à la fin. Mais voilà. Hop, merci beaucoup Coralie pour le commentaire. Donc là, on va chauffer un peu plus, hein, voilà. Désolé pour les bruits éventuellement de cuillère. C'est ça, franchement, c'est le truc, c'est ultra rapide à faire. Ça demande pas grand-chose. On peut éviter toutes les allergies quasiment avec ça, tous les régimes particuliers. Et ça fait un dessert sympa. Sachant qu'après, il y a encore une étape à la fin. Mais là, le gros du flan est quasiment fait. Tu es Kali, je connais pas. Trouvez-vous les fruits rouges en sachet. Là, c'est du Leader Price. Ah non, les fruits rouges, pardon, séchés. J'en ai pas, je sais pas. Physique chimie, pour le prof, c'est presque la même recette que pour les loukoums. Peut-être. Mais le loukoum, c'est pas juste un sirop. C'est pas du genre du sirop de sucre avec un peu de fécule. Il n'y a pas de lait dans les loukoums, normalement. Enfin, normalement, dans ce que j'avais vu. Tous les ans, Kali, ouais, j'essaye. Comme ça, je détruis bien la planète avec l'empreinte carbone. Mais voilà. Salut, salut, le chili s'en est où? Ça mijote. Je vais vous le montrer aussi. Pendant que je remue, j'ai le temps, ça va pas cramer. Est-ce qu'on le voit un petit peu là? Vous le voyez un petit peu au loin. Bon là, il y a des teintes un peu roses. Mais il y a plus de jus, il y a du liquide qui apparaît un petit peu au-dessus. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, le flan est toujours bien liquide. Je suis parti avec du lait froid, donc ça va être un peu plus long, mais si vous partez avec du lait à température ambiante, bah, ça devrait être plus rapide. Mais au pire, on a le temps, on peut discuter. Coucou. Salut Monique. Le fenugrec, c'est très puissant. Ok. Je sais pas. Donc le fenugrec, c'est un petit peu l'équivalent en transpiration des asperges pour l'urine. Peut-être, peut-être pas. Combien de temps de mijotage jusqu'à ce que ça épaississe? Là, il n'y a pas de secret. Si vous faites que pour deux, moi tout à l'heure, ça m'a pris 5 minutes. Ici, vu que j'en ai mis un peu plus, ça va peut-être me prendre entre 5 et 10 minutes. J'espère. Comment tu vis la vie de prof en confinement et que les élèves rigoureux? Bah là, c'est un petit peu compliqué. Parce que il y a une démotivation de toutes parts, moi inclus. Ce que j'essaie de faire là, avec mes secondes, ce que j'ai mis en place, c'est de faire des cours un petit peu différenciés pour ceux qui vont faire de la physique chimie, parce que là, il y a des chances qu'on ne rentre pas forcément trop longtemps en cours. Donc, qu'ils aient les bases, quasiment comme tout le monde, mais que je prenne un petit peu à part ceux qui veulent faire physique l'année prochaine et ceux qui ne veulent pas le faire, je leur ferai des trucs un peu plus légers parce que ça ne sert à rien de les charger de travail pour rien. Et c'est un petit peu la philosophie que j'ai, je ne vais pas les charger de travail. Je leur donne suffisamment de quoi faire pour qu'ils travaillent de leur côté. Et mes attentes sont, en termes de volume, assez basses. Voilà. Pour les retours. Voilà. Hop. Feu doux ou feu fort? Pourquoi? Si c'est pour le flan, je dirais feu moyen. Si c'est pour le chili, moyen aussi. Voilà. Après, tant que ça accroche pas, vous pouvez tenter de monter un peu plus fort. Là, moi, ça accroche pas, je pourrais encore monter. Mais je me dis, j'ai le temps. Je touille. Hop. Quelle dose de chocolat pour un flan au chocolat, selon toi? Je sais pas du tout. Honnêtement, du chocolat en morceaux là-dedans, je mettrais bien, pour deux, je mettrais bien quand même entre 50 et 100 grammes, histoire qu'il y ait quand même un goût de chocolat. Mais après, j'ai jamais testé cette recette, type recette avec du chocolat, mais ça devrait pouvoir marcher, il n'y a pas de raison. Combien de temps pour le mijotage du chili? Ah oui, pour le chili, pardon. Le plus, c'est le mieux. Si vous avez une heure et demie devant vous, laissez une heure et demie. Mais là, ça pourrait être mangé maintenant, si vraiment vous avez faim. Mais sinon, on peut laisser mijoter. Le lendemain, vous refaites mijoter, c'est encore meilleur. Tu veux faire des récrés de brioche en cours? Pas sûr que je fasse ça quand même. Penses-tu que le niveau scolaire sera faible et qu'il faudra... Bah, comme disait... comment il s'appelait dans Les Indestructibles? Le méchant, là, le gosse là, qui est le super vilain dans Les Indestructibles, le premier, qui disait bah, « Si tout le monde est un super héros, plus personne ne l'est. » Donc là, tout le monde subit le confinement, donc tout le monde est en retard, donc si tout le monde est en retard, personne ne l'est. C'est ce que je me dis. Et donc, le retard, bah, il sera à rattraper plus tard et on fera avec. Voilà. Si il y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, tant mieux. Mais il y aura forcément un retard quelque part. Et je me dis, si tout le monde est en retard, personne ne l'est. Voilà.
Si quelqu'un a le nom du super-héros, c'est pas. Non, c'est. Je sais plus. Hop, j'arrive pas à tout lire. Des recettes de brioche. J'avais fait des recettes de brioche, quelques-unes, je crois, qui étaient déjà à donner. Faudrait peut-être que je retente avec le Tangzong. Combien de temps va durer ton live? On a faim? Bah, ouais, encore un petit peu de temps là quand même. Je vais mettre un peu plus chaud. Faut que ça épaississe. Là, peut-être ça va prendre encore 20 minutes. Peut-être. Voilà. Syndrome, merci. Merci, oui, syndrome. On doit obtenir quelle texture pour le flan? Pas celle-ci. Là, pour l'instant, c'est encore trop liquide. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Hop. Pour l'instant, c'est. On a quelque chose. Qui... Je vais peut-être rebaisser un petit peu. Ça commence à épaissir là. Là, d'un coup, en gros, pendant 10 minutes, il ne se passe rien. Et là, d'un coup, ça épaissit. Vous voyez? Là, vous voyez à peu près la texture. Ça, c'est presque bon là. Donc là, je dirais la texture d'une béchamel. Un peu épaisse. Et là, c'est quasiment bon et ça va épaissir en refroidissant. Et donc là, j'éteins le feu. Là, on est prêt. Donc voilà. Donc là, voilà. On est quasiment bon. Quand ça commence à bouillir un peu au fond, c'est que c'est prêt. Et à ce moment, vous rajoutez votre goût. Si c'est quelque chose, un arôme liquide. Si c'est le chocolat, vous aurez peut-être pu le rajouter avant. Je ne sais pas trop. Mais là, ici, par exemple, pour la fleur d'oranger, on le rajoute maintenant et c'est à l'œil. Là, je pense qu'ici, j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe. Donc forcément, ça va être un petit peu moins liquide, mais ça va réépaissir en refroidissant. Donc là, c'est vraiment à l'œil et suivant la concentration de ce que vous avez. C'est bon pour la texture du flan, vous voyez à peu près? Ça reste liquide, mais ça va épaissir en refroidissant. C'est à peu près ça. Hop. Là, merde, je fais ça, mais je ne regarde même pas en même temps. C'est bon pour ça, donc on va passer au remplissage des verres. On va dire verrine, hein, mais verre. Hein. Hop, je vous déplace en même temps. On est là, on voit bien, vous voyez ceux de tout à l'heure. Ah, oh, c'est pas mal ce plan. Est-ce que j'ai loupé des choses? Hop. Et il y a un verre qui est cassé, là on le voit un petit peu, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais en faire 2 gros. Je pourrais en faire 3, mais on va faire 2 gros, ça sera très bien. Et donc là, après, évidemment, il va falloir qu'ils refroidissent. Donc si vous voulez manger rapidement, faites-en plus des petits que vous pourrez éventuellement mettre au frigo ou au congélateur. Parce que si vous en faites des gros, bah, ça va mettre plus de temps à refroidir. Ah, Coralie, j'adore que tu me poses la question. Ça fait une super transition. Est-ce que je vais faire un live brunch? Eh bien, j'avais pensé faire un live brunch dimanche. Ce dimanche. Pour la fin du confinement, enfin la fin du confinement, le début, la fin de ce confinement en tout cas, et je pensais en faire un ce dimanche, en gros pour se faire un petit brunch dimanche entre quelque chose comme, j'ai pas encore les heures précises, mais entre 9, 10 heures et 13 heures, un truc du genre. Voilà, donc ce serait ce dimanche normalement. Vous n'êtes pas très droit, voilà, vous êtes mieux. Donc là, maintenant il n'y a plus grand chose qui presse, c'est un petit peu sale mais c'est pas trop grave. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Parce qu'il y a 2 ou 3 petites choses qu'on peut faire, comme ce que vous voyez là. Hop. On va revenir là. On va fermer ça quand même, ça fait pas très propre. Ce qu'on peut faire maintenant, il y a plusieurs options. Vous voyez ce qu'il y a ici, que je vais remontrer ici. Vous voyez, sur ce flan, il y a au fond un genre de petit caramel. C'est du sucre que j'ai fait, que j'ai mis avec un petit peu d'eau. Et que j'ai rendu un peu plus liquide. Et donc là, on a ce flan qui est sympa avec un peu de caramel. Et il y a celui-là où j'ai mis de la menthe. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça doit pouvoir le faire. Ce qu'on peut faire, parce qu'avec ce flan, ok, mais il est assez fade et chaque bouchée sera la même. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter du toppings. Des toppings qui peuvent être pas mal. Avec, comme type de toppings à rajouter, je reviens. Je ne les ai pas mis là. Où est-ce que je les ai mis? Ah non. On peut mettre un petit peu ce que vous avez sous la main, et notamment des noix, ça peut être bien. Donc là, j'ai des noisettes. Des pistaches et ou des amandes. Vous les concassez et vous les mettez au-dessus. Ça peut être pas mal. La texture de la béchamel, ouais, c'est à peu près ça. Donc là, par exemple, j'en fais un à la pistache. Et voilà, je l'ai fait à la pistache. Pas très compliqué. Évidemment, vous pouvez les torréfier, les faire revenir à la poêle, des choses comme ça. Voilà. On peut le faire aux noisettes. Ce que j'ai aussi, qui est peut-être moins commun,
C'est qu'ici, j'ai des pétales de rose que j'avais eu fut un temps, je ne sais plus trop comment. Je ne l'utilise jamais, mais je me dis que là, ça peut être plutôt à propos. Attendez, on va faire ça mieux. Voilà. Quelques petites pétales de rose là-dessus. Là, c'est vraiment juste pour faire l'instagrammeuse. Voilà. En parlant d'Instagram, est-ce qu'il y a eu des petites choses? Peut-être que le chili n'est pas le plat le plus photogénique. En tout cas, il y a des gens qui refont. Allez là, le flan se refait. Hop, et moi, vous ne me voyez plus. Bon, puis après, c'est pas trop trop grave. Hein. Est-ce que j'ai loupé des questions? Sûrement. Donc, là, c'est bon. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement... Je vais le faire avec vous. Vous avez 5 minutes? 10 peut-être? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit jus. Soit vous faites du caramel, soit vous mettez un mélange de miel, de sucre et d'eau. Ou miel, juste miel, et que vous délayez avec un petit peu d'eau et que vous mettez par-dessus. Ça ira très bien. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sucre roux. Je trouve que c'est plus sympa, notamment pour la couleur. Comme ça, il y a juste à le faire revenir et le faire chauffer avec un petit peu d'eau pour qu'il se dissolve. Hop. Donc là, pour les quantités, si vous avez déjà mis suffisamment de sucre à votre goût là-dedans, arrêtez-vous là. Si vous n'en avez pas mis assez, bah, vous rajoutez éventuellement ça. Donc, quelques grammes de sucre, quelques grammes d'eau, pas beaucoup d'eau, et on fait chauffer ça pour que le tout devienne liquide. Et ça va être notre petit caramel. C'est pas un vrai caramel, mais c'est sympa. Sinon, ça pourrait se manger là, mais je trouve avec le caramel, c'est sympa. Donc là, c'est bien trop chaud pour l'instant. Faudrait le faire refroidir d'une façon ou d'une autre. Est-ce que j'ai loupé des choses? Enfin, challenge, les yeux bandés. J'avais déjà fait une vidéo, les yeux bandés, où j'avais fait, je crois, un roulé au petit pois. Les yeux bandés. Voilà. Oui, sirop de miel et jus de citron, très bien. Voilà, vous mettez du miel, un peu de jus de citron, vous délayez le tout, vous posez dessus, c'est nickel. Et en plus, ce qui est bien avec ça, normalement, ce que vous verrez, c'est qu'une fois qu'il a un peu pris, qu'il a un peu refroidi, vous versez le caramel au-dessus, ou le miel, et il va aller naturellement en dessous. Il doit être plus dense. En tout cas, il se débrouille pour aller en dessous, et c'est sympa, il n'y a même pas à prévoir et à faire le caramel en dessous. Ah, super content que le pain ait marché. De faire une croûte de sucre en mode crème brûlée. Oui, pas forcément dans un verre en verre. Si vous le faites, faites-le dans un ramequin avec le chalumeau, parce qu'il ne faudrait pas péter un verre avec le flan. Ça pourrait être dommage. Donc là, ça, c'est en train de fondre. Le sucre est en train de se dissoudre. Il n'y a que moi qui ai dit... Je pense qu'il y en a d'autres. Peut-être. Il y a peut-être des élèves qui regardent. Il faudrait plus de lives comme cela. Bah ouais, mais bon, là, j'ai commencé la semaine dernière. Déjà, si j'en fais un toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je pense que ça sera largement suffisant. On fait avec ça. Donc les noix, on va éventuellement les mettre de côté. Il n'y a plus trop besoin. Question bizarre. Je ne consomme pas de sucre rajouté. Un flan sans sucre ou caramel. Ni sirop d'agave, c'est possible. Si tu es habitué au sans sucre de manière très rigide, oui. Sinon, ce que je conseillerais quand même, c'est une fois que le flan est fait sans sucre, mettre des fruits ou quelque chose pour avoir cette sensation. Donc là, typiquement, vous mettez des fruits dedans et au moins, il y aura un petit bout de quelque chose un peu sucré. Parce que vraiment, sans sucre, c'est de la béchamel. On peut aimer la béchamel, mais voilà. Sucre de fleur de coco, oui. Voilà, mais après, voilà, n'importe quel sucre, quel qu'il soit, ça va. Stevia, jamais essayé. Pourquoi pas? Ça pourrait marcher, il n'y a pas de raison, enfin, que ça ne marche pas. J'ai aucune idée des... Il y a aussi le sucre de xylitol, je crois, ou des trucs comme ça, mais jamais trop essayé. Je crois, mais t'es majeur, ok, mais tu peux faire plus de vidéos. Plus de vidéos, j'aimerais bien, mais entre le boulot, le temps que ça prend et tout ça, aussi ma vie de manière générale, plus c'est compliqué, plus de une et quelques par semaine. Et en ce moment, j'en suis un peu plus qu'une et quelques par semaine, en comptant les lives, donc je pense que c'est... Pas que c'est le maximum, mais on n'en est pas très très loin. Ok, merci, super. Sirop d'érable, oui, j'avais pas cité. Sirop d'érable, très bonne idée qu'on peut mettre. Moi, là, il y a mon sucre qui a cuit. D'accord. Là, on a ce petit caramel qui est chaud. Bah, je vais le mettre, je vais laisser les roses là, je vais le mettre avec la pistache. Et normalement, je le mets au-dessus. Bon, là, il était trop chaud et le flan n'avait pas encore assez refroidi, donc il va se mettre dans le flan. Voilà. Donc là, conseil. C'était un petit peu trop tôt pour le mettre. Quand vous mettez quand vous mettez le liquide, attendez que le flan ait un petit peu pris, qu'il ait un petit peu refroidi. Donc si vous avez le liquide sous la main, attendez un petit peu qu'il soit un peu figé. Donc typiquement,
Si vous n'avez pas peur pour votre frigo, votre congélateur, mettez-les un petit peu au frigo. Et quand ça refroidit, vous mélangez vous mettez le liquide et qui ne va pas aller dans la crème. Là, il est allé un petit peu dans le flan. Très belle cuisine, merci. Ah oui, juste par rapport à la cuisine, parce qu'il y a eu un commentaire la dernière fois qui m'avait été fait en disant que oui, la cuisine paraissait plus petite. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le plan de travail, je l'ai rapproché d'à peu près 1 mètre vers ici pour que là, j'ai un tout petit couloir et qu'on puisse tout voir à peu près d'un coup avec une seule caméra, à la fois les plaques et le plan de travail. Donc j'avais un peu tout déplacé. Voilà, c'était juste, je voulais que ça soit dit au moins une fois. La maïzena est indispensable pour le flan où on peut substituer par de la farine. Jamais essayé. Jamais essayé. La farine, ça devrait aussi pouvoir épaissir, peut-être pas de la même façon. De toute façon, on fait bien, comment ça s'appelle? La crème pâtissière avec de la farine. Donc bon, il y a aussi des œufs. Là, sans œufs, est-ce que ça changerait? Peut-être, peut-être pas. Ça se tente, mais jamais essayé en tout cas. Ça fait la forme d'un poisson. Comment ça s'appelle? Les pistaches? Peut-être, comme ça, là, qui regarde à droite, il y a moyen un petit peu, ouais. Hop, pourquoi as-tu changé ton live au jeu? Pardon. Pourquoi as-tu changé ton live au jeudi? Comment ça, as-tu changé ton live au jeudi? Pourquoi je le fais le jeudi? Parce que demain, c'est férié. Mais d'une semaine à l'autre, ce sera pas tout le temps le jeudi. Hein. Je sais pas du tout. Hop, c'est une sorte de panna cotta. Peut-être, mais après, je sais pas trop la panna cotta, comment ça marche. Je sens que je tiens une recette de crème au café, elle-ci. Ah bah si, ah oui, en plus j'avais même pas marché. Bah, très bien pour ces tests éventuellement au café. Donc là, on va être quasiment bon. Je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ressemble le chili. Je vais revenir avec ça. Hop. Parce que là, il y a quasiment tout qui est prêt, hein. 1 heure, 1 h 10. Je pense que c'est plutôt correct comme temps. Évidemment, c'est chaud. Et donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de liquide que tout à l'heure. Mettez à feu doux quand même, suivant les quantités que vous avez. Mais là, vous voyez, le liquide typiquement, il est un peu liquide. Donc si vous voulez quelque chose de plus lié, attendez encore un petit peu. Ou alors, mangez-en un petit bout parce que vous avez faim ce soir et parce que c'est prêt pour ce soir. Et le reste, vous le gardez pour demain, vous le refaites chauffer, vous le congelez, vous en faites autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc là, c'est un plat qui n'est pas très exigeant. Voilà, c'est un plat qui est... C'est bon. Attends, tu pourrais faire une vidéo, que dois-je faire pour devenir Frédéric Jean? Bah regardez toutes mes vidéos, vous avez tout plein de trucs. Il faut toutes les regarder, au moins 10 fois. Chaque personne aura toutes les vidéos 10 fois au moins. Et les partages. Et mettre des likes, tout ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ça donne envie. Super content que ça donne envie. Parce que je ne peux pas tout faire sinon. Bah, j'ai essayé de faire des recettes avec un peu tous les ingrédients. Typiquement, là, le flan, je ne peux pas faire tellement avec moins d'ingrédients. Parce qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas tout. Et même si je donne un petit peu en avance, mais je ne vais pas te donner non plus 3 semaines avant. Je pourrais donner un peu plus en avance que 24 heures avant, le temps d'éventuellement faire des courses. Mais voilà, à chaque fois, tous les lives, vous ne pourrez pas avoir tous les ingrédients pour tous les lives. Et j'essaie de faire des trucs assez simples, mais franchement, ce ne sera pas, voilà, ce sera pas tout. Bon, farine de riz peut-être, mais je ne sais pas. Le liquide, un peu liquide, ouais. Pour faire parler les gens, et ça semble marcher, ouais, très bien. Je ne sais plus à trop pourquoi, mais... La famille va bien, Nouvelle-Guinée, oui, très bien. C'est ça, comme la daube, le lendemain c'est meilleur. Est-ce qu'il y a eu des trucs sur Instagram? Je sais pas, peut-être pas. Vous partagez pas trop, hein. Viens, moi je partage pas trop non plus. Hop. Si, pardon, les flans. Allez là. Ah, ça a actualisé juste quand j'ai cliqué dessus. Hop. Allez, les flans sont faits. Éventuellement un petit caramel, un petit toppings dessus. Comme toppings, par exemple des fruits rouges. Des fruits rouges en topping, ça peut être pas mal du tout. Hop. 24 heures avant, si c'est bon pour vous, moi ça me va. Donc là, il y a quasiment tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à laisser ça mijoter à feu doux. Là, ma palaque, elle va jusqu'à 9. Je vais mettre à 3 pendant encore 1 heure ou 2, même si j'aurais déjà mangé. Hop. Et je vais en prendre un petit peu. Comme ça, je goûte devant vous, histoire que si vraiment c'est dégueulasse, vous le verrez à ma tête. Il n'y a pas de raison, j'arrive à manger un peu tout et n'importe quoi, pas trop difficilement. Donc je vais me servir un petit peu de ça. Hop. Bon là, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais bon. En tout cas, au moins, il est bien chaud. Allez, vraiment à feu doux, parce que sinon, vu le volume, le fond pourrait peut-être commencer à accrocher. Et je vais en prendre juste, ouais, un petit peu, histoire de goûter. Voilà. Ça, c'est fait. On revient par ici. On va mettre avec Instagram au cas où, comme ça je pourrais voir peut-être vite fait d'un coin de l'œil.
On était où? J'adore tes vidéos, merci beaucoup. Montrer vidéo avec statistiques et la vue, c'était. Mais trop parfait. Oula, non. Trop parfait, très loin de là. Avoir des caméras, c'est bien, mais le lien avec les élèves, ça, enfin, ou le travail, c'est pas le nombre de caméras qui sera lié directement à la qualité d'un prof, très loin de là. Mais merci quand même du compliment. Hop, joue-tu aux jeux vidéo? Pas du tout. Le seul jeu auquel je joue, c'est Pokémon Go. Et j'avais donné mon lien, mon code il y a longtemps, mais c'est le seul jeu auquel je joue. T'as fait 4 verrines. J'avais fait 2 verrines ce matin, que j'avais montré là, et les 2 autres que j'ai faites là tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de livraison. Jusqu'au 11, ça va être compliqué en tout cas. Ça, c'est bon, je vais me prendre une fourchette. En tout cas, ce qui est pas mal dans ce live, c'est avec le nombre de personnes qui est assez réduit parce que l'effet d'annonce est passé et qu'ils se disent bah, finalement c'est pas forcément pour eux, le débit du chat est plutôt pas mal parce que j'arrive presque à suivre en étant à jour. Et ça, c'est plutôt bien. Je vais prendre un petit verre d'eau quand même avant de manger. Ça, petite pause pour vos oreilles. Des spécialités culinaires calédoniennes, j'avais pensé à en faire, mais à voir. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il faudrait pas mieux les faire en Calédonie? Est-ce que ça pourrait être pas mal? Mais là, si je peux pas y aller, je vais peut-être pas en faire cet été, du genre, je vais faire comme si j'étais en Calédonie. Voilà. 550, super. Hop. Ouvre mon cadeau. Ah, je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui, celui de Pokémon Go. Mais je l'ai fait hier, je crois, non? Enfin, j'essaie de les ouvrir assez régulièrement. Le schisme, mon papa. Salut, merci. Auras-tu des animés? Non, aucun. Bonne dégustation, merci. Tout le monde. Chili sauce piquante. Les ustensiles de cuisine. Un peu tout, c'est pas vraiment très cher. Hein. Franchement, globalement, c'est des trucs en bois ou machin. La cocotte, forcément, ça a un coût. Toute la vaisselle. C'est de la vaisselle que j'aime beaucoup. C'est un investissement. Elle coûte assez cher, mais normalement, je la garde plus ou moins à vie. Voilà, parfois, je me dis autant investir un coup pour des trucs où on sait que ça peut se garder. Bon, ça peut se casser, mais typiquement, la cocotte, si elle tombe, elle casse d'abord le carrelage, je pense. Et là, j'ai d'autres problèmes. Voilà. Je vais quand même goûter ou est-ce qu'on a ASMR? Pas du tout. Concernant l'école à distance, ne trouve pas que les profs sont un peu à la ramasse? Je suis belge et mes profs sont complètement rien à team aux vidéoconférences. Je ne sais pas du tout pour ce débat. Après, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais ce qui est compliqué, c'est aussi de respecter ce qu'on nous impose du point de vue gouvernemental et du point de vue de l'éducation nationale. Et de la réalité des faits, il y a souvent un petit décalage quand même. Donc, typiquement, ce n'est pas évident d'utiliser l'outil le plus adapté qui ne respectera pas forcément les RGPD, enfin la RGPD, les données personnelles et tout. Donc, voilà. Bon, je vais quand même manger un petit peu. Je vous laisse éventuellement les modérateurs me donner les questions les plus importantes, enfin les plus importantes mais les plus pressantes. Le Chili, c'est bon, c'est réconfortant, comme je disais tout à l'heure. Le souvenir que certains amis ont du Chili, c'est une fois ils étaient venus, je crois que c'est, enfin une fois, je sais même. C'était à la fin du brevet, donc en fin de troisième, où on avait fini les épreuves. Et il y avait quelques amis qui étaient venus à la maison. Et il y a ma mère qui avait fait un Chili. Elle, alors que bon, ok, ils arrivent, elle avait prévu ça, elle pouvait faire une grande quantité sans trop s'embêter. Et il m'en reparle encore de ce chili. Parce que c'est bon, parce qu'il y a tout. Vous pouvez aller plus épice ou pas. Là, les morceaux de piment étaient assez gros. Donc un coup, je vais tomber dessus. Ça va être sympa. Mais voilà, donc si vous l'avez fait, j'espère qu'il est bon. Mais voilà, là, on peut le laisser encore un peu plus mijoter, sachant que là, il est largement bon, bien chaud. Mais si on laisse mijoter plus longtemps, c'est encore meilleur. Bon appétit à ceux qui mangent. Merci Coralie pour le pub, la pub. Merci Monique, peut-être toi aussi. Ouais, c'est ça, les billets d'avion. Si on s'y prend tôt, au plus bas, c'est à peu près 1500 euros l'aller-retour. Sachant qu'une fois, j'avais fait le calcul, au kilomètre, c'est moins cher que prendre le train avec la SNCF. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Mais typiquement, si quelqu'un qui habite par exemple à 100 km de chez ses parents et qui fait l'aller-retour en voiture toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça revient à peu près au même en termes de prix. Pour peu qu'il y ait un petit péage ou un truc du genre. Après, ouais, c'est pas le plus simple. Ouais, j'ai mis du poivron rouge. Je vous conseille le poivron vert pour la couleur. Parce que là, c'est assez monochrome. C'est pas plus mal. Mais c'est pas non plus problématique. Mais un petit truc, ça pourrait être sympa. On va changer de plan quand même. Voilà, mon petit repas. Y a pas un... Non, c'est bon. Avec le petit chili rouge.
qui est très bon, et les flancs que je vais manger froids. Je vais manger les froids et les autres, voilà. Hop. Pour la côte, c'est plutôt faux. Ça m'est arrivé il y a une heure. Mince. Ah, la cocotte s'est cassée, genre séparée ou quoi, parce que là, moi celle-là, il n'y a pas d'émail. C'est directement la fonte brute. Donc si toute la cocotte s'est cassée, ça peut être problématique ça. De nouveau post Insta. Parfait, on va regarder ça. Hop, et une story aussi. Les posts. Allez là, ça fait les flancs. Je me disais aussi que les flancs pouvaient marcher. J'hésitais entre deux recettes pour les flancs. Soit cette recette de flancs que j'avais quasiment jamais montré sur ma chaîne, soit les... comment ça s'appelle ? La salade de fruits avec des étages, avec de l'agar-agar, mais je me dis, l'agar-agar, c'est très compliqué à avoir de la veille pour le lendemain. C'est pas forcément évident. Donc je me dis, on va partir sur le flan. Peut-être qu'on fera l'agar-agar plus tard. Hop. Et ici, ah oui, forcément, les noix ou les pistaches, c'est mieux de les torréfier à la poêle. Ça aura forcément plus de goût. Vous pouvez même faire un petit caramel. Vous faites un début de caramel, vous mettez vos noix que vous avez cassées un petit peu dessus, ça vous fait un caramel, vous cassez en morceaux, vous mettez là-dessus, c'est parfait. Ça rajoute un petit peu de croquant, de gourmand, tout ça. Et c'est pas mal du tout. En story, qu'est-ce qu'on a? Hop, le chili, allez. En live, parfait. Et le caramel est en cours. Bah alors c'est parfait. Au moins c'est une recette que tout le monde a eu le temps de suivre et où j'ai pas été trop rapide. Bon là, clairement, ça va. Et ici, dans les questions, il faut que je redescende. Non, c'est Tahiti. De quoi qu'est Tahiti? Bon après, je pense que Tahiti, Calédonie, pour le prix de billet d'avion, ça va être sensiblement pareil. Ça a quel goût? Ça a le goût bah, d'un peu tout mélangé. Enfin, c'est bon, c'est chaud. C'est, enfin, chaud dans le sens température, aussi dans le sens épice. Ça a ce goût assez sympa. Comment on pourrait dire? Bah, il y a le goût d'un peu toutes les épices mélangées. Ce plat, il n'y a pas de surprise. C'est qu'on peut se l'imaginer. C'est la somme des différents éléments qu'on a mis dedans. Parce qu'il y a des fois où on rajoute 2-3 ingrédients ensemble et on ne retrouve pas forcément les ingrédients ou alors ça apporte quelque chose de nouveau. Là, il y a tout qui est mélangé et je trouve que c'est un plat franc dans le sens où il est la somme de ses composants. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas forcément très, le plus simple pour décrire, mais c'est comme ça que je le vois. Bah, j'espère qu'il sera bon, ou en tout cas à votre goût, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit trop mauvais. Ouais, les prix du billet d'avion peuvent, pour l'instant, si on peut même pas partir, on va pas trop y réfléchir, mais ouais, ça peut, il peut y avoir des choses qui vont se passer à l'avenir. Hop, parfait, parfait. Donc bah, je vais goûter le petit flan, et comme ça, je vais vous montrer en même temps la texture. Hop. Le chili, bah, je le mangerai après, de toute façon, ça me dérange pas de manger le dessert avant, le dessert après. Ici, c'est le flan que j'ai fait ce matin, sachant que, suivant la taille, au bout d'une demi-heure, une heure, il est quasiment froid, hein, ça va. Vous le mettez éventuellement au frigo. Donc là, avec un petit peu de caramel, et si vous voyez la consistance, ici, vous voyez, ça a vraiment... Est-ce que je peux le mettre plus près? Voilà, là. Vous voyez, ça a vraiment la consistance d'un flan, alors que c'est... Oups, voilà, on va mettre comme ça. Alors que, voilà, on est vraiment sur quelque chose de simple, c'est pas juste une crème, c'est vraiment la consistance d'un flan. En texture, enfin moi je trouve ça assez bon, je trouve ça bon parce que bah, il n'y a pas de goût de farine, il n'y a pas de goût particulièrement prononcé, mais en texture, ce n'est pas la texture d'un flan. Ou dans le sens, quand vous appuyez un flan sur le palais, ça va se casser en tout petits morceaux de flan et ils vont se séparer. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus entre le flan et la crème, je dirais, à peu de choses près. Mais avec le petit caramel au fond, le goût de fleur d'oranger, si on aime, bah, c'est super bon parce qu'il n'y a quasiment que ça qui ressort. Ça manquerait éventuellement un petit peu de croquant qu'on peut rajouter avec les choses que je vous avais dites juste avant, notamment les toppings et les trucs du genre. Ah mince! Ouais, là, moi, j'ai pas encore annulé mon billet parce que j'avais pris mon billet en décembre pour aller en Calédonie et je l'ai pas encore annulé, j'ai pas eu de retour. Je me dis, il y a toujours un petit espoir que ça réouvre, il y a très peu de chance. Je devrais partir mi-juillet, mais je pense que je vais le supprimer, enfin, le demander à être remboursé ou à être. On va décaler le billet, mais ça va être compliqué. Plutôt viande ou poisson? Je mange plus de viande que du poisson. Voilà. Après, est-ce que j'en préfère vraiment à l'autre? Pas spécialement. On pourrait rajouter du tofu, évidemment, dans le chili, parce que tout le goût est dans les épices et dans la sauce. Donc, si on rajoute du tofu qui n'a pas de goût, ça pose pas de soucis. Ça rajoute du volume et des protéines et tout plein de choses pour remplacer la viande. Parce que typiquement, si on met de la viande hachée là-dedans, qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas, le goût
ça change pas du tout au tout, tout. Donc on pourrait très bien remplacer par du tofu. La cannelle, si on aime la cannelle, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas en mettre. Ça peut être très bien. Hop, protéines de soja. Ouais, je pense que le biais c'est mort, mais j'attends encore un peu parce que, par principe, mais bon. Bon après, moi, l'avoir, ça me dérange pas pour le billet d'avion, parce que j'y retournerai forcément. C'est pas comme si j'avais juste décidé de partir en vacances, par exemple une semaine en Grèce, auquel cas, j'ai, voilà. Mais là, en Calédonie, forcément, j'y retournerai. Donc, mais c'est pas mal. Donc là, pour vous donner une idée sur les goûts, là, j'avais mis de la menthe au-dessus. Parce que je me dis, bah tiens, j'avais de la menthe séchée, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'est bien avec la menthe? On aurait pu faire infuser la menthe, si c'est de la menthe fraîche ou séchée. Vous la faites infuser quand vous faites le lait, ou n'importe quelle autre herbe qui passe, ou de la verveine, des choses comme ça, et c'est super bon. Franchement, ça passe super bien. Et là, je ne l'ai même pas fait infuser. Et elle est un peu sèche parce qu'elle est juste posée au-dessus. Mais ça passe super bien avec cette menthe. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont pu goûter le flan et qui ont des retours? Si vous dites que c'est vraiment dégueulasse, au pire, marquez-le pas. Hein. Mais sinon, je serais content d'avoir les retours. De la vanille, oui. J'avais mis de la vanille, la fleur d'oranger après dessus, il y a moyen, ouais. Soit, encore une fois, trop de l'un, pas assez de l'autre, ça doit être ça, mais je ne saurais pas trop dire. Je vais regarder les posts Instagram, sachant que ouais, la fleur d'oranger, surtout quand on a, je sais pas, est-ce qu'il y a, parce qu'on met plus souvent de la vanille, on est plus habitué à la vanille, la fleur d'oranger, ça sort plus, je sais pas. Instagram, où est-ce qu'on en est? Il y en a qui sont habiles pour les photos où quand même ça rend un peu mieux. Donc là, au fond, c'est quoi? C'est de la confiture, c'est des fruits rouges. Et au-dessus de la pistache, peut-être. En tout cas, bien. Là, au-dessus, je dirais des noix concassées. Peut-être qu'il y a des commentaires. Oui, des noisettes plutôt. Amandes? Amandes. Amandes, elles m'ont l'air torréfiées en plus. Vu que là, on peut voir qu'il y a, c'est un petit, c'est pas juste blanc, ça a l'air coloré. Et ici, je dirais pistache. Pistache noix, peut-être. Cela, je n'avais pas vu. Et ici, des pétales de rose aussi. Et quelques noix, pas mal. Sinon, il y a aussi voilà, le pralin qu'on peut acheter en sachet vanillé, des choses comme ça, qui est déjà tout prêt, qui est un peu croquant, qui est bien, vous pouvez le mettre et c'est très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'on est là? Oui, mes parents habitent vers Païta, exactement. Protéines de soja complètement. Je me régale, ouais, plutôt, ouais. C'est pas mal. Tu devrais ajouter des ingrédients sur YouTube. Je peux pas les rajouter en direct, sinon ça ferait une grosse coupure. Mais globalement, les ingrédients ont été donnés, en tout cas, le nom des ingrédients. Les quantités, c'est pas encore ça. Peut-être pour ça, je le remettrai après en description. Enfin, quoique c'est donné dans le live en même temps. Caramel beurre salé. Ouais, clairement. De toute façon, est-ce qu'on peut vraiment se tromper dans un dessert avec du caramel beurre salé? Je ne suis pas sûr. Vous inquiétez pas pour les autres. Bon, ceux qui ont fini la recette, bah, de toute façon, c'est fini là. Pour les autres, ça va bientôt être fini aussi, mais je réponds quand même aux dernières petites questions. Hop. Je vais à Rome pour les vacances, j'ai pas eu de remboursement, mais obligation de déplacer avant la fin de l'année, du coup, octobre, mais c'est pas sûr que. J'espère pour la colonie, ils vont pas m'obliger à y aller d'ici la fin de l'année, mais enfin, je trouve ça. Il n'y a pas quelque chose qui disait qu'ils devaient le proposer un décalage du billet dans les 18 mois ou un truc du genre? Un avoir pour les 18 mois? Hop, avec du beurre de cacahuète. Pourquoi pas? Donc vous voyez, la base est assez simple. Le plus important, c'est d'avoir la texture. Et avoir la texture, c'est assez facile. Et si par exemple, typiquement, vous avez une amie qui a des problèmes avec le lactose, qui est intolérante par exemple au lactose, voire au gluten, voire les deux, ou qui est végétarienne ou végétalienne, ce dessert, il va à tout le monde. Si vous ne mettez pas le lait, vous mettez une autre boisson. Et il n'y a aucun souci. Là, franchement, il y a très peu de gens qui pourraient dire, ah non, ça, je ne peux pas. Peut-être qu'ils n'aimeront pas. Mais c'est dur de se dire, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Après, voilà, si vous êtes quelqu'un de diabétique, il y a du sucre. Mais je peux pas tout faire. Hein. J'essaie de faire au mieux. Hein. hop. Ah bah si je suis remboursé, bah pareil, hein, très bien. Ça dépend si tu oublies le sel dans le dessert ou dans le chili. Oui, bon. T'es le plus jeune de ta fratrie, non. Hop, mon frère végétarien. Voilà, typiquement là, pour quelqu'un de même végétalien, ça passe nickel. Merci Coralie pour les ingrédients. Hop, quel est le comble pour un breton? Si quelqu'un répond, je sais pas. Que j'ai pas mis de beurre dans le dessert. J'ai pas trop de réponses tout rigolotes. Bonjour nouveau. Salut. Bah là, vous êtes sur la fin, hein, si vous arrivez juste. Donc,
Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu pour la suite des événements. Normalement, il y a une vidéo qui devrait sortir d'ici samedi. Je ne sais pas quand, mais d'ici samedi, il y a une petite vidéo qui devrait sortir. Dimanche matin, un live brunch où on fera, je mettrai quelques ingrédients, sachant que ce sera des trucs assez simples. Il y aura sûrement quelques pancakes. Il y aura peut-être un plateau de semi-fromage. Il y aura un bout de pain, mais je ne vais pas faire le pain en live. Il aura déjà été fait. Éventuellement, des petites choses à mettre sur des tartines. Donc, si vous avez du pain de près quelque part, que ce soit du pain de mie ou autre, on pourra faire des petites tartines de quelque chose. Éventuellement, une petite salade de fruits sympa, des clichés de brunch. Voilà. Peut-être quelque chose avec des œufs pour faire des omelettes. Voilà, il sera pas forcément végétalien, mais il y aura deux, trois petits trucs qu'on pourra prendre ici et là. C'est histoire, voilà. Il n'y aura pas beaucoup de monde le dimanche matin, j'imagine, parce que je vais le commencer pas trop tard non plus, hein. Et ce sera juste, voilà, histoire de faire un brunch vraiment, vraiment tranquille, encore plus que là. Espérons. Enfin, espérons, même si là, ça va très bien. J'ai loupé des questions. Hop, l'eau de rose, oui, ouais, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, ça peut être pas mal, caramel persil est très bien. C'est de ne pas aimer le caramel, ok, d'accord. Ah, ta, trop bien, super, merci, génial. C'est bon, dimanche 6h ou 11h. Non, dimanche, je pense que je vais le faire sur les coups de le brunch, histoire de le commencer d'avoir le temps. Parce que moi, pour moi, un brunch, on commence à le manger au plus tard à midi. J'aime pas les brunchs de 13h. Moi, le brunch, c'est entre le petit déjeuner et le repas de midi. Donc, vu que le petit déjeuner, c'est 6-7h, le repas de midi, c'est à midi. Le brunch, c'est forcément avant midi. Ça ne peut pas être 13h, c'est pas vraiment un brunch. Sinon, c'est un lunner, entre lunch et dinner. Enfin, je sais pas, enfin bref. Donc voilà, donc moi ce sera plutôt genre milieu fin de matinée et ça finira vers, je sais pas, midi 13h le temps qu'on fasse tout ça. Bah, le brunch, à un moment, levez-vous tôt, hein. Voilà, je vais pas non plus faire un brunch à 14h. Au pire, voilà, c'est aussi pour un moment que les gens qui se lèvent tôt, ils aient quelque chose aussi. Hein. Super, le bon parfait. Tu en as détaillé du brunch sur Insta. Je pense que je ferai comme là. Je mettrai la vidéo dans la description de la vidéo et je vous préviendrai sur Instagram pour aller voir la petite miniature de la vidéo où dans la description il y aura à peu près tout. Les idées, bah, j'en ai plus que de temps pour faire les vidéos, la plupart du temps. Donc c'est pas trop les idées qui manquent, c'est l'organisation autour. Hop, le bougnat, pas sûr. Pas sûr que je le. Quoique, ça peut se faire, un bougnat en cocotte, hein. Bougnat marmite, ou je sais pas exactement le terme. On veut les détails pour être présent pour ton prochain live. Oui, les détails, bah, je donnais à peu près tout ce que je pouvais, hein. Je vous recommuniquerai via les canaux classiques, incessamment sous peu. Ok, à moins qu'il y ait des questions particulières ou quoi, bah, je vais considérer que c'est fini. Là, vous pouvez laisser encore mijoter, bah, jusqu'à servir, hein. Franchement, si vous mangez à 20h, c'est parfait. Et que ça, c'est en train de mijoter. Après, si vous en faites pour deux personnes, faites pas mijoter 3 heures non plus. Le flan, vous le laissez au frigo, ça se mangera très bien demain. Surtout celui-là qui est encore chaud. J'espère que ça vous a plu, à la fois sur la forme, sur le fond et pour ceux qui l'ont refait aussi, tout ça. Ben moi, je vais vous dire merci beaucoup. Je suis pas lève-tôt, la faute, c'est le confinement, le responsable. Oui, non, non, c'est beaucoup trop facile ça. C'est beaucoup trop facile. Hein, moi aussi, j'avoue quand même que le confinement m'a complètement décalé. Maintenant, je me lève quasiment après 6h30, quasiment à 7h. Voilà. Je me couche un peu plus tard, genre vers 23h. Évidemment, ça va suffire, ça. Il faut que je redécale tout dans le bon sens pour me lever plus tôt. Mais voilà, dimanche 10h, ça passe. Bah, parfait. Bah, moi, je vous dis merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, je vous laisse les marquer dans comment ça s'appelle, dans la zone de commentaires classique et pas le chat de la vidéo. Et bah, moi, je vous dis à très bientôt. Une autre petite vidéo demain ou après-demain, mais je pense plutôt samedi. Le temps de la faire, de tout ça, parce que j'ai rien d'avance, évidemment. Bah, très bien, j'espère que ça vous a plu. Je vais voir un peu ce qui s'est passé sur Instagram pour éventuellement repartager 2, 3 petites choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et encore merci d'être là, c'est super sympa. Allez, au revoir. Hop, j'ai même dit au revoir. C'est fou ça, arrêtez le flux, ouais.